que c'est une très bonne initiative parce que ça permet à des jeunes en situation de handicap d'avoir un premier contact avec des entreprises qui sont sensibilisées. Donc ça facilite déjà les choses. Et même nous, ça nous met en confiance. Et oui, c'est vraiment une très bonne initiative. Il y a un réel objectif de participer au développement économique et au développement social du territoire. Donc aider à l'inclusion, ça veut dire comment aider les personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi ou qui pourraient avoir des difficultés pour trouver un emploi. Ils m'ont pas mal apporté parce que ça nous a permis d'être rassurés, d'avoir des réponses à certaines de nos questions. J'ai eu des retours assez, assez positifs, assez encourageants de personnes handicapées ou non handicapées qui avaient eu l'occasion de participer pour apprendre à comment rédiger un CV, à rencontrer les professionnels. Les recruteurs, etc. Cet été, j'ai déjà trouvé un stage pour cet été dans une des entreprises partenaires, donc oui, ça m'a aidé. Et il y a beaucoup de retours qui m'ont été faits. À savoir que le format était pas le bon, à savoir que il manquait des champs qu'il aurait été souhaitable de voir, comme les langues que j'ai pratiquées avant, plein de choses comme ça. Par rapport à la journée d'aujourd'hui ou à la demi-journée d'aujourd'hui, quand j'ai vu les commentaires que les étudiants ont pu laisser par anticipation de cette demi-journée, j'étais assez frappée de voir l'inquiétude de plusieurs étudiants qui nous disaient ou qui écrivaient « J'ai peur du regard que l'entreprise va pouvoir poser sur moi. Est-ce que je vais être bien acceptée? Est-ce que mon handicap va pas freiner mon acceptation dans une entreprise ?» Si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout, et j'espère, rassurer les étudiants pour leur expliquer que de plus en plus, les entreprises mettent en place de vraies politiques handicap. Ça n'est pas superficiel, c'est pas juste un accord qui est écrit et signé auprès des syndicats. Il y a une réalité derrière. Globalement, c'était positif. J'ai appris beaucoup de choses, des explications qui m'ont été données étaient les bonnes, de même que les conseils qui m'ont été donnés étaient pertinents aussi. J'espère que cette expérience sera appelée à se reproduire, en tout cas je l'encourage dans ce sens-là. C'est vraiment très positif, donc oui, je ne peux que le conseiller.